Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Alors nous sommes le vendredi 21 juin, il est 11h15. Le voisin il est en train de faire les travaux en même temps. Bref, donc à la base j'avais envie de faire la suite de mon vlog, de mon dernier vlog. Mais honnêtement j'ai pas pu parce que j'avais pas mal de choses à faire. Et pas forcément intéressante pour vous. Sinon aujourd'hui j'ai plusieurs clientes. Donc j'ai 5 clientes, j'ai rendez-vous à 14h à Moriani. C'est une ville un peu plus loin d'ici. Donc je crois que j'ai une heure de route, un truc comme ça. Et pour une soirée brésilienne, donc pour des make-up assez chargés, assez travaillés, plein de couleurs. Du coup j'étais en train de préparer en fait mes produits. Hier j'ai nettoyé vraiment mes pinceaux, donc là j'ai préparé en fait les pinceaux, tout ça que je vais avoir besoin, parce que 5 clientes il me faut quand même pas mal de pinceaux. Et du coup là j'étais en train de préparer en fait la valise. Voilà, c'est tout, mon petit bouton de fièvre, voilà, pas trop le choix. Et sinon à part ça, aujourd'hui j'avais envie de tester un produit autobronzant, donc là je l'ai appliqué ce matin après la douche. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve le résultat assez naturel en fait. Donc c'est un produit de la marque Fabulous qui se présente comme ça. Voilà, c'est une lotion, une lotion autobronzante. Et je l'ai appliqué avec un gant comme ça que j'avais commandé sur Beauté Privée. Voilà, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Voilà. Je sais, j'habite en Corse et on a des endroits absolument magnifiques, des plages. Waouh, mais voilà, quand tu vis dans un endroit, t'as pas l'impression que tu profites vraiment bien de cet endroit-là, parce que tu as des rendez-vous, parce que tu as le travail, parce que voilà, c'est le quotidien, ça fait partie de ton quotidien, donc du coup tu y penses même pas. Et à la base, je suis pas très très plage, donc forcément j'y vais très très rarement. Et alors sinon c'est la première fois en fait que je teste ce produit là, il est vraiment pas mal. Sinon un produit que j'aime beaucoup, c'est un lait autobronzant de chez Clarins que je connais depuis plusieurs années maintenant et vraiment il est très très bien aussi. Donc voilà pour mes produits autobronzants. Bon, je vais finir de préparer quand même ma valise et on se retrouve après. Ensuite je vais essayer de mettre un petit gloss parce que là avec le bouton de fièvre c'est même pas la peine. Donc là j'ai vraiment pris la totale, les rouges à lèvres pailletés, métallisés, enfin voilà tout pour voir vraiment sur place. Malheureusement je peux pas prendre ma pièce, j'aurais bien aimé. Franchement aujourd'hui il fait super chaud et en plus de ça, descendre, remonter les escaliers, je n'en peux plus, franchement c'est hyper fatigant. Bon appétit, voici ce que je vais manger ce midi, des sushis maison. D'ailleurs je vous ai filmé la recette hier, je ne sais pas si je vais l'intégrer dans ce vlog, donc juste après cette séquence, ou alors dans une vidéo à part. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les vlogs avec des recettes ou sans les recettes. Donc je vais voir, de toute façon si la vidéo... La recette est très longue, je pense que je vais la poster à part. Si c'est assez rapide, je vous la mettrai dans ce vlog. Voilà. Je vous montre mon look du jour avant de sortir.
sommes mardi. Malheureusement, ces derniers jours, j'ai pas pu continuer le vlog pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais énormément de travail. J'avais des journées très très chargées. J'ai essayé de partager quelques moments comme ça en Insta Story, mais vraiment, j'étais épuisée. Je suis même épuisée là, vraiment. Vivement les vacances. D'ailleurs, je pars dans pas longtemps. J'ai hâte, hâte, hâte. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Donc là, je vais essayer de vous poster ce vlog demain. Donc je vais essayer de finir cette vidéo aujourd'hui, montage et tout ça, comme ça je vais vous la poster demain. En plus c'est les soldes, et du coup je profite pour vous montrer quelques nouveautés Bohou. Donc j'ai reçu ma dernière commande là il y a quelques jours. Vous savez que je travaille avec le site Bohou depuis des années maintenant, donc de temps en temps je sélectionne des articles que je trouve sympas. J'espère que cette petite partie un petit peu mode va vous plaire, et je vais vous laisser avec les essayages. C'est parti. J'espère que cette petite partie mode vous aura plu. Je vous mettrai tous les détails des articles en barre d'informations. Je voulais vous partager ces nouveautés là. J'ai également pris ce sac en fait qui se porte comme ça, très tendance aussi chez Bohou. J'ai aussi pris des trucs chez Undiz, il y avait moins 40% en fait pour les ventes privées. Donc voilà, c'était intéressant. Je vais essayer de vous partager en fait les bons plans sous cette vidéo et également sur mon Insta Story. Si jamais ça vous intéresse, c'est beaucoup plus pratique. Mais en tout cas, voilà, c'était ma petite sélection de chez Bohou. Alors sur ce, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant les prochaines, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah ! Bisous les filles.